Salut à tous, aujourd'hui on va faire le test de skill The Hero Slayer. Vous allez voir, c'est un petit jeu en 2D, vraiment sympa. Vous allez voir, un petit jeu d'aventure action. Alors le jeu déjà est en français. Voilà. Hop. On va vous montrer comment ça se passe. Graphiquement il est vraiment sympa, vous allez voir. C'est un tout petit jeu, il faut pas s'attendre à un jeu de ouf comme ça. Super, on dirait que les choses se met. Alors j'ai lu un peu l'histoire parce que je connais pas du tout l'histoire du personnage. On dirait escalette, hein, je sais pas ce que c'est. Hein, écoute-moi attentivement. Hein, et les mains ont commencé à attaquer. Hein, escalette, ouais, c'est ça. Hein, pour moi, je dois juste trouver les. Hein, d'accord. Appuie sur le B pour accélérer. Ah ouais, alors c'est un genre de petit tuto, je crois. Je pense qu'il doit nous apprendre les bases du personnage. Ah, pas mal. Ouais, les décors sont assez sympas. Un petit jeu de plateforme. Avec le A, ouais, il y a pas mal de jeux en ce moment comme ça, un jeu de plateforme là, parce que moi je joue beaucoup avec la Xbox, parce que le jeu il est gratuit sur le Game Pass, je vous le dis. Et en ce moment je fais beaucoup de tests avec beaucoup de jeux comme ça, plateforme. Je trouve qu'il y en a pas mal en ce moment, ce qui est bien. Si vous aimez les jeux comme ça, vous êtes servi là, si vous avez le Game Pass. Là il a une arme, ok. Alors là il me dit appuie sur le A pour descendre, ok. Bon là pour l'instant c'est tout simple. Au fur et à mesure je pense qu'on va monter un niveau. Hop, on va faire du chevalier là. Hop, alors là, il faut qu'il libère une sorcière. Je sais pas ce que c'est ça. Sorcière, ouais c'est une sorcière. Tu as survécu à l'attaque. Peut-être qu'elle va me donner des trucs, non? Des armes en plus. Ouais. Ok, c'est un tour à un chat. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais essayer. Ah je sais pas, où est la tête? Ah il a perdu la tête. Ah ok, ça fait comme une arme. Alors maintenant je me retrouve avec un chat, je rentre un peu s'il y a d'autres trucs, non, il n'y a rien d'autre. Ah je sais pas, où est la tête du personnage? Ça c'est cool pour un jeu en 2D, il est vraiment très cool. Faut voir plus après. Capitaine de la garde. Qu'est-ce que c'est, on vient d'arriver ici, c'était étrange. Ouais. Jamais rien vu du ciel. Allez, je suis furieux, mais... Avancer. Alors là... D'accord. Ah, il a mis la tête du mec. Ah ouais, en fin de compte, vous changez de tête, hein. En fin de compte, on dirait qu'il a des pouvoirs en plus. Ouais, d'accord. J'ai perdu la tête. Est-ce que je peux la récupérer? Ah ouais d'accord. Ah ouais, en fin de compte vous trouvez des... On dirait qu'il peut changer de magie avec la tête. En fin de compte, s'il change de tête, il devient le personnage comme là, il devient le capitaine. Hop, avec l'épée là, et il a d'autres... on voit avec le LB et le RT qu'il a d'autres pouvoirs. C'est pas mal foutu ça par contre. Ah, c'est pas mal ça, ça veut dire qu'il doit y avoir d'autres personnages comme ça. C'est bien trouvé ça. Hop, plus de feu. J'ai un petit peu raté là. Hop. Ah, je pense qu'il a pas de rejauge à cette heure là. Ça y est, j'ai réussi à le passer. Ah, il est cool, vraiment très cool pour un petit jeu. Je pense qu'au fur et à mesure aussi ça va être sympa parce que on va découvrir d'autres personnages dans le jeu. J'ai bien trouvé ce petit système. Ah, on dirait qu'il est devenu pote avec lui bien sûr. Il a attaqué la sorcière. Hein. Réveille-toi. Alors le truc qui est un petit peu le bémol, j'espère que c'est que le début, c'est qu'il tape un peu trop les personnages. Ah, il s'est fait éclater. Qu'est-ce que c'est ça? Hein, c'est un sorcier on dirait. Oula. Lolo, qu'est-ce qu'il m'a volé? On a une sorte d'énergie là. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé là, une sorte d'énergie m'a envoyé. Hein, c'est un japonais? Non, c'est un japonais. Ah, ils expliquent l'histoire du jeune garçon. Ah ouais, on fait. D'accord, Stamped. Bon, je l'ai un peu passé à vite fait. Non? Ah non. Ce qu'il nous dit, vous voulez témoigner d'un dernier instant? En fin de compte, on est dans la peau du petit garçon, on dirait. Peut-être un ancien prince, un truc comme ça, je sais pas.
On dirait qu'on va l'apprendre au fur et à mesure à l'histoire. C'est pas mal, hein. Pourquoi je m'attendais pas à ce que ce soit un japonais? Les voix. Hein? Alors, comprends. Hein? Qu'est-ce qu'il a donné là? Ok. Hein? Ah, c'est une carte, on dirait. Ah ouais, c'est une carte, ouais. Alors ça, je peux aller voir. Et pas mal pour un petit jeu comme ça. Ça change. Quoi je vous dis, en ce moment, on est bien gâté avec les jeux comme ça. Pas mal de petits jeux sympas. Oula. Oula, par contre, là, je sais pas si... Ah ouais. Bah, je pense qu'il fallait sauter, ouais. Alors. Hein, comment on dans la forêt? Skeleton, je pensais que... à Skeletor. Alors, on va rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère qu'ils vont nous laisser un petit peu jouer, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu trop de blabla au début là. Ah, là ça commence. Là ça commence à devenir sympa. J'ai perdu la tête. J'espère que ça joue, j'ai la seule parce que les ennemis, c'est clair. Assez costaud. En plus, il y a des pièges. Voir ce qu'il a comme coup. Envoyer la tête. Je sais pas ce que c'est l'autre coup là qu'il a. Fais gaffe aux plantes parce qu'il y a les plantes qui nous attaquent. Il faut récupérer la tête. Ouh, il a un sacré niveau lui. Par contre, je sais pas comment on fait pour prendre de l'énergie. Est-ce qu'on a... Ah ouais, là, c'est quand on attaque les ennemis. Ok. Là, c'est fermé. Alors, si c'est fermé, ça veut dire que peut-être qu'il faut une flingue douce. Je pense, je sais pas. Soit les flingues et tout, soit j'ai oublié quelque chose. Putain, la plante. Peut-être qu'il y en a un qui a une clé. Je sais pas. Alors, on récupère l'énergie. Si j'ai oublié quelque chose, je vais monter en haut. Hop. Ah, c'est peut-être lui là. Hop, on va y envoyer les attaques. Là, j'ai récupéré. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va servir pour ouvrir des portes? Ah, il y a un coffre déjà. C'est un coffre. Alors, on dirait qu'on peut. Empire poursuivi. On dirait qu'on peut choisir son chemin. Non, c'est pas mal. C'est sympa, après il faut pas s'attendre au jeu du siècle là, mais en 2D il est vraiment sympa. Pensez aux anciens jeux qu'on jouait à l'époque. Des fois on en trouve de vraiment pas mal, celui-là ça me fait partie. Ah, très cool. Je pense qu'il faut que je les détruise tout. Pour qu'ils m'ouvrent les portes. Par contre ce qui est bien c'est le... Le double saut est vraiment pas mal. Pourquoi je n'ai plus trop de vie là? Oula. Je pense comment. J'espère que j'ai récupéré de la vie là, parce que là. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est comment on récupère de la vie là, parce que là. Rien pour se protéger, par contre. Un petit peu bizarre leur truc. Là, je l'ai fait. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai eu un succès. La légende commence. Ah ouais, elle commence vachement là. On dirait qu'on peut monter au fur et à mesure avec les niveaux. Hop, je retombe sur la sorcière. Je vais aller voir s'il n'y a pas un truc planqué là-bas. Non, c'était fou. Ah, on peut monter. On dirait un ancien trône. Bonne manière. Ah, il y avait un truc. Allez, contre le château, roi de mon. Ah, bah, je vous le dis les gars, si vous voulez un succès, il faut monter là, au sommet là, du trône. Trône de fer. Ça ressemble un petit peu à Game of the Throne. Il y avait un succès à faire. C'est pas mal ça. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est pas un bouton pour passer dessus des conversations parce que ça sent un peu long. Dans le jeu. Alors là, je vais revenir là. C'est bien, il y a un truc là. Il faudrait que j'essaie de. On dirait qu'il faut taper au bon moment, on dirait qu'il y a un truc bloqué là. Alors, je retombe là.
Est-ce que je peux aller? Non, je peux pas y aller là-bas. Il me montre sur la map. Alors, il y a un chaudron, c'est bon. Ouais, on va aller revoir l'autre là. Je sais pas. Je vais essayer de prendre la porte de gauche. Voilà, j'ai compris. Il fallait attaquer tout le monde. Moi, ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu la tête de l'autre là, je peux pas la récupérer. C'est un petit peu dommage ça. Bon, je pense qu'au fur et à mesure, il doit monter un niveau, parce qu'on récupère l'énergie. Oula. Ah, j'ai pas le coffre. Dommage qu'il n'y ait pas de protection, qui est un petit peu bizarre. Elle n'a pas un bouclier, elle n'a rien pour se protéger. À part attaquer. Hop, et la vie, je sais pas du tout comment on la récupère. Ah, là j'ai des pièces d'or. Ah, ça doit servir à acheter des choses, je pense, non? On dirait qu'on peut y changer. Ouais, on dirait qu'on peut changer des trucs sur le personnage. Oula, il y a les chevaliers, hein. Ouh, quoi, le niveau il est balèze quand même. L'ennemi a les XP pour sa défaite. Ouais, il y a des XP et tout. Voilà, c'était pour le montrer, les gars, pour dire qu'il est pas mal, mais il a l'air assez coriace le jeu. Il a l'air assez dur, hein. Voilà. Là, j'ai vu le niveau là. Surtout, ne prenez pas la porte de gauche. Je vous le dis de suite. Voilà, c'était pour vous le montrer, pour vous dire que c'est un petit jeu sympa, tout, et vraiment c'est pas mal. J'aime bien le système là où il change de tête, ça c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il doit en avoir d'autres. Allez, moi sur ce coup, je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus, pensez à vous abonner à ma chaîne, MultiFranc77. À plus, pensez à me laisser un petit like aussi. À plus, ciao.